parce que ça va durer toute la journée. Donc là, il est littéralement 9h39 et le vlog va durer jusqu'à au moins 5-6h parce que je vais vous faire de là. Donc là, toute la journée, je suis toute seule. Logiquement, oui, toute la journée, je suis toute seule. Et 5h30, Manon, elle arrive pour venir voir Bulbul parce qu'elle vient le lundi, mercredi, jeudi. Lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, ça dépend. Donc, pour que vous voyez Manon, parce que voilà, c'est la propriétaire à Bulbul et elle va s'en occuper quand même le soir. Donc moi aujourd'hui ce que j'ai prévu c'est de faire des balades avec les deux loulous. Donc je vais faire une ce matin et l'autre cet après-midi. Donc je vais voir qui je vais faire en premier. Je pense que je vais faire Falbala d'abord. Et en plus avec Falbala on va sortir en balade en longue graine. Et comme vous avez vu hier mes achats de brocante, et bah du coup je vais la mettre je vais lui mettre son surfait comme on va partir en longue graine. Et du coup je vais pouvoir lui mettre son nouveau tapis. Du coup voilà. Donc j'espère que la journée vous plaira. Et bisous. Un pantalon bleu marine, mes chaussettes CSO et mes boots. Et voilà, j'ai un peu de vent, mais il fait super beau, donc je suis super contente. Je suis arrivée au loulou. Coucou! Coucou, ma fille! Mon cœur! On est en promenade! Coucou, mon cœur! Donc aujourd'hui, du coup, comme il fait beau, je vais leur enlever les couvertures. Doudou, il la tourne tout le temps dans tous les sens, sa couverture. Elle est super propre, franchement. Coupibule. Bon. La série a un petit peu changé. Voilà, il y a deux selles maintenant. Et donc là, sinon, je voulais vous dire que je vais leur donner la petite carotte du matin et c'est ce qu'ils attendent. Je vais mettre un peu de foin à Falbala et à Doudou parce que sinon ils vont pas être contents et ils vont vouloir essayer de se sauver parce que c'est de l'or hein. Parce que là du coup je viens de sortir Falbala et du coup ils sont pas contents les messieurs. Du coup je leur mets un peu de foin, ça les occupera le temps que je la prépare. Eux c'est du surplus quoi. Du coup ça y est je leur ai enlevé leur couverture donc Doudou a ses beaux poils blancs. Où est Falbala, je l'ai sorti pas en pâture, c'est juste la sortie. En gros, ce que je fais des fois, c'est que dans la ferme, en fait, il y a plein. Genre, c'est une ferme qui est fermée. Du coup, il y a plein de coins d'herbe et de temps en temps, bah, je les sors. Mais là, je les sors pas parce que du coup, je leur mets leur foin du matin comme ça en même temps. Et voilà, les deux loulous, ils sont là. Et Falbala, elle est en train de m'attendre tout le temps que je prenne toutes les affaires pour éviter de revenir ici pour pas revoir les loulous parce que sinon, ils vont vouloir sortir. Voilà, ce sera l'ensemble rose. Et du coup son filet il est là. Moi je la mets en filet parce que je vais avoir beaucoup de questions sur ça. Alors en longue graine je la mets toujours en filet parce que sinon elle embarque tout le temps. Donc je suis obligée. Au début je faisais en licol quand elle m'embarquait comme je vous expliquais dans la vidéo de Noah Nan. Et ma monitrice m'a dit que les longues graines ce serait mieux que je les fasse en mordre. Donc j'ai testé et c'est beaucoup mieux. Oula j'ai failli tomber. Et au niveau de quand je la longe, le mord je m'en sers de temps en temps. Des fois je la mets en mord, des fois je la mets en licol, j'alterne un peu. Mais du coup voilà pourquoi je mets un peu. Thank you.
partie en cacahuète parce qu'on a couru. Donc, certains vont me dire, hey Loulou, hey. Attendez, parce qu'elle ne veut plus avancer. Bon, je vais laisser un peu router. Certains vont dire que là, je vais la rentrer, je vais partir moi. Certains vont me dire que ça se fait pas parce que Falbala, elle a pas eu à manger et les autres ont eu du foin. Certes, elle a pas eu de foin, mais elle a mangé pendant au moins une demi-heure. Dès qu'on voyait de l'herbe, on s'arrêtait manger. Du coup, ça compense un peu. Donc, du coup, voilà. Donc, ça compense un peu le fait de qu'elle, elle ait pas eu de foin ce matin, mais que du coup, bah, elle ait brouté un peu. Et puis cet après-midi, au moment où je partirai, je leur en remettrai un peu. Mon bubule, du coup, aura beaucoup plus à manger que les autres, mais c'est pas grave. Puisque quand elle se met à exemple, Manon, là, dans 2 semaines, va partir en balade, ce sera les deux miens qui auront à manger. Donc ça compense des fois, voilà. Les titis, ça y est, on est rentrés, ça va? Bon, on ramène votre papy? Ouais. Là, du coup, moi, je rentre à la maison, donc j'ai rentré Falbala et tout ça. Et là, je rentre à la maison et je vais aller manger tout ça. Là, il est 11h30, mais le temps que je rentre, je vais regarder un peu de vidéos, je vais me poser, je vais voir, je vais faire le tri dans les vidéos que je garde et que je garde pas, parce que j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Du coup, je leur donne un petit bonbon et j'y go. Falbala, elle a fait tomber le sien, pas très doué, hein. Les affaires à Falbala de l'autre côté, à l'air de pensage, et je rangerai tout après parce que je rangerai tout cet après-midi au niveau de l'eau. Voilà, elle est toute propre. Du coup, il n'y a plus que cet après-midi, j'ai les crottins à faire. Je vous retrouve quand je suis chez moi. Je suis de retour chez moi et voilà, donc je prépare à manger et tout ça. Et puis, je vous retrouve cet après-midi. Bisous! Vers midi 10 et j'ai fait une bonne demi-heure de vidéo, j'ai regardé une vidéo, tout ça. Et du coup là je vais aller un peu sur les réseaux sociaux parce que du coup j'avais mon tel à recharger et puis après bah, j'irai promener Dodo. Là j'ai mis un post Insta donc parce que voilà et voilà et du coup bah là je vais pas tarder à partir, j'attends parce que ma tata doit passer me voir parce qu'elle doit me donner mon cadeau. Du coup j'attends et dès qu'elle arrive après bah, je m'en vais. Là il est 13h20 et je suis partie. Je vous avoue qu'il fait un peu moins beau que ce matin, il fait un peu plus froid aussi. Mais bon c'est pas grave, donc petit planning de cet après-midi. Donc là j'arrive, je vais sortir Doudou, les deux autres je vais les sortir à brouter. Je vais voir où je vais les mettre. Pendant le temps d'une balade je vais les mettre un peu dans une petite pâture là où il y a une vache. Parce que là-bas il y a un peu de gros camions et tout et j'ai peur qu'ils se coincent, donc on va juste les mettre le temps de la balade. Et ensuite je vais sortir Doudou en balade, après je vais rentrer tout le monde. Je vais brosser Bubule vite fait parce que Manon ce soir quand elle va rentrer il va faire nuit, donc elle aura pas le temps, je vais faire un petit pansage vite fait. Et après je vais aller voir les grands chevaux. Et après il faut que j'aille à mon club parce que mercredi j'ai été collée, du coup il faut que j'aille prévenir que genre faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prépare mon poney parce que sinon j'aurai pas le temps. Et du coup voilà, c'est une après-midi bien chargée, donc c'est parti. Oh, mon chat. Et vous deux vous allez faire brout-brout? Hein? Oui, 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 mon fils est belle. Ah mon cœur, on va aller faire une petite balade. Donc, du coup là il faut que je m'organise parce que je vais sortir Falbala et oh regardez à la file indienne, d'accord. Donc je vais sortir Falbala et Bubule, je vais aller attacher Doudou et je vais amener Falbala et Bubule dans le petit pré, comme ça au moins on est tranquille. Oh on voit tout blanche, allez Titi. Là, il est revenu, donc Doudou je l'ai laissé de l'autre côté. Donc j'ai fermé la barrière. Et c'est parti. Donc ça y est, là on est parti. Donc alors au niveau des émissions, on colle bleu blanc rouge avec ces bandes bleu marine.
On peut soit mettre des bandes blanches, rouges, bleues, marines, mais moi j'ai mis les bleues marines. Ça fait plus sur le mini. Normalement, Toutou a des cloches pour marcher, mais j'ai oublié de les mettre. Mais bon, il peut faire sans, mais c'est mieux pour lui. Mais comme là, c'est une petite balade qu'on va faire tranquillou, normalement, il n'y aurait pas de soucis. Donc on va faire presque la même balade avec Falbala, mais elle sera un petit peu plus courte. Donc là, je sais pas du tout ce qui se passe. Mon téléphone, il s'est éteint et il s'est mis à 10%. Donc je vais essayer de vous filmer le plus possible, mais je vous laisse et je vous fais quelques images. Mon téléphone, en fait, il s'est remis à 75%, donc c'est bon. Il a été super sympa. Bon, il a fait un peu le foufou quand on a galopé, mais bon, ça c'est du quand il a envie de se défouler. Quand on a galopé, il était vraiment content. C'est super heureux le gros. En ce moment, il a de la forme par rapport à avant. Avant, c'était un mollusque qui voulait jamais rien faire. Maintenant, il a de la forme quand même. Je me suis trompée quand j'ai mis le foin à Bubule et Adar. J'ai dit à Falbala et Adar. Je ne peux pas comprendre. Coucou. J'ai Falbala, j'ai recherché Bubule après parce que en fait je veux faire une petite photo, enfin des petites photos de nous trois parce que j'en ai une mais elle date assez puis à force de la voir j'aimerais bien en avoir une nouvelle donc on va tester tout ça et on va faire des petites photos. J'ai cherché la Fifi donc sans longe, j'avais juste mis à Nicole et Bubule il est resté encore un peu là-bas et je vais tout simplement faire des petites photos avec mes petits bébés. Je vais chercher Bubule donc si jamais d'un coup ça coupe et que ça filme plus parce que je vais filmer vite fait le pensage de Bubule. Les pieds, le corps et l'écran. Si jamais ça filme plus, vous inquiétez pas, j'ai plus de batterie. Donc je vais essayer de vous filmer quand même ça et quand je vais aller voir les grands, et bisous. Allez, mon grand. Donc Bubule, pour son pensage, je vais le laisser en liberté. Je vais juste le brosser vite fait comme ça. Je vais ramasser le crottin donc, et après je vais ranger toutes les affaires, mais d'abord je ramasse le crottin. J'ai fini de ramasser les crottins. Donc je vais ranger toutes les affaires. Parce que là il va être bientôt 3h30 et faut que je rentre un peu parce qu'après ma mère elle rentre et du coup faut que comme ça me ramènera au poney et comme ça j'aurai le temps un peu de me reposer. Oui vous êtes beau vous savez. Donc j'ai fini de ranger donc les... aïe. Donc je remettrai les couvertures après. Donc pour au niveau des grands chevaux je vais aller juste voir si tout va bien, je vais aller voir vite fait puis après je vais rentrer et puis après je reviendrai pour leur remettre les couvertures, leur donner un petit bonbon. Je viens en gros 4 fois dans la journée donc je suis venue ce matin, je suis venue là. Je vais rentrer chez moi, je reviens, je re-rentre chez moi, je re-reviens. Oui, bien, tout va bien, enfin, j'ai pas été les voir de près, mais déjà tout le monde est là. Et puis ils sont à la paille, donc, enfin ils sont à la paille. Et au foin, là-bas, dans leur box extérieur, en gros, c'est comme un box, sauf qu'il n'y a pas de contour. Fier de moi, j'ai réussi à garder ma batterie pour vous tourner le plus de choses possible. Donc là, du coup, je repars. Donc en gros, oui, j'ai été voir les grands chevaux et en fait, je repasse par là. Je repasse par ma pâture parce que c'est plus court. Du coup, je repasse par ma pâture. Et donc, la tour de magie, un passage secret pour les gens qui sont assez fins. C'est plutôt cool et c'est par là. Du coup, voilà, le vlog n'est pas encore terminé, je vous rassure. Enfin, bientôt, j'ai plus grand chose à vous filmer. Mais je vous reste jusqu'à ce soir parce que. Je vais vous rester jusqu'à temps que je leur donne à manger. Donc je vais vous faire un petit débrief de la journée si ça s'est bien passé. Donc la balade avec Falbala c'est juste génial. Franchement c'était comme d'hab génial. Et avec Adar c'était bien aussi, c'était super bien, j'étais fière de lui. En plus on a fait un petit exercice entre guillemets parce qu'on est passé à des travaux. Et du coup bon, les gens ont éteint parce que ça fait 2 fois que je passe, ils doivent me dire ah, combien de poneys et tout ça, elle passe combien de fois.
Et du coup, bah, ils ont éteint gentiment parce qu'ils voyaient très bien qu'Adar était stressé et qu'il fallait que je le caresse. Et une fois qu'on a passé tout ça, il y avait un chemin, on a parti dans le chemin. Je lui ai demandé un départ au galop, monsieur, poum poum. Et là, les coups de cul. Du coup, je l'ai ralenti un peu parce que j'avais peur qu'il m'embarque. Surtout qu'Adar, même si c'est un jeune, il a beaucoup de force et quand il t'embarque, bah, tu lâches parce que déjà t'as peur parce qu'il donne des coups de cul. Alors voilà. Du coup voilà, donc sinon ça s'est super bien passé avec Adar et après je l'ai fait brouter, on a retrottiné un peu sur l'herbe et tout ça et tout ça. Et voilà. Là je suis sur la route parce que j'ai croisé Titou, bah, je vous ai filmé un peu, et son maître, et du coup bah, j'avais été avec lui parce qu'il fallait qu'il aille à la ferme chercher un camion, mais il était crevé, du coup il est revenu. Et du coup là je rentre à la maison. Et voilà, je suis au loulou, donc je suis redescendue. J'ai mangé, j'ai fait un peu de téléphone. Et j'ai été à mon club en voiture avec ma mère, parce que ma mère finit à 4h, mais elle reprend le travail après. Du coup, elle a eu le temps de m'emmener au club et de demander pour mercredi, mais comme ma monitrice n'était pas là, faut que je repasse dans une petite demi-heure. Du coup, bah, le temps que je reste un peu avec les loulous, que je leur fasse des câlins et tout. Et que bah, je leur remette les couvertures. Après, je vais aller au club. Après, je vais attendre que Manon vienne me chercher chez moi pour venir revoir les loulous et leur donner à manger. Ah, et voilà. Là, après un gros moment de câlin avec les bébés, je vais partir moi au club parce que je suis restée au moins 20 minutes. Là, je vais juste leur remettre les couvertures. J'ai pas trop envie de leur remettre, mais j'ai pas trop le choix parce qu'après, quand je vais revenir, il fera noir. Et du coup, ce sera pas très pratique. Mais bon, c'est pas grave puisque demain je sais pas du tout quel temps il fait. Mais de toute façon, quand on n'est pas là, ils les ont. Donc voilà. Croc. Et tiens. 16h35 et je viens de partir, donc je leur ai mis les couvertures. Donc là, je vais partir, je vais aller au club. Je vais rentrer chez moi, Manon, je vais appeler Manon qu'elle vient me passer chez moi. Et après du coup Manon, on donne le foin, après Manon s'en va, moi je m'en vais et ce sera fini. Voilà, donc ça fait une journée pas mal, je trouve que c'est bien, c'est un bon vlog. Du coup voilà, donc j'espère qu'il va pas durer très longtemps, mais bisous. Je vous finis aussi un peu au club pour comme ça vous voyez un peu le club et tout. Et voilà. Je suis encore en retard parce que j'ai encore croisé le propriétaire de Titou, donc je suis allée voir parce qu'il est en train de construire un truc et j'ai été voir comment ça avait avancé tout ça. Et du coup ça m'a pris un quart d'heure parce que là il est déjà 16h45 et il faut que je me bouge parce que là faut que je tente que je rentre chez moi, donc ça 5 minutes. Le temps que j'ai au club, 5 bonnes grosses minutes, que je parle avec Sophie, que je lui demande et tout ça, que je lui en parle, ça va être un peu chaud. Mais bon, je me bouge et je vais pas pouvoir vous filmer grand chose parce que j'ai plus de batterie. Je suis rentrée, j'arrive devant chez moi. La nuit commence doucement à tomber. Déjà, il n'y a plus de soleil, il commence à faire un peu froid. Donc, dans une demi-heure, dans une heure, il fait nuit. Voilà, je suis rentrée chez moi et je repars parce que j'ai pas envie de rentrer sous la nuit. Le temps que j'ai au club et que je parle et tout, ça va prendre du temps. Voilà, bisous. Je vous ai montré un peu le club, donc là c'est le manège, là-bas derrière moi il y a la carrière. Mais du coup pour mercredi c'est bon, parce que comme j'ai été collée, ben, je veux que quelqu'un prépare mon bonnet. Bisous les bébés. Donc du coup voilà, bisous. Là je rentre à la maison pour de bon. Ah non, je ressors après, parce qu'après il faut que j'aille nourrir les ponies. Du coup là je rentre, Manon vient me chercher dans 40 minutes. Et pour moi nourrir les poneys, voilà, bisous. Voilà, on va nourrir les poneys. Il est presque nuit, dans quelques secondes il fera nuit. Rien du tout. Ah si, on voit son nez, allez va manger. Les petits cœurs. Donc là les bébés ils sont en train de manger. Voilà tout le monde, le vlog touche à sa fin, donc c'est terminé, donc j'espère qu'il vous a plu.
En tout cas, moi, j'ai passé un plaisir fou à le filmer. J'ai passé une super journée avec les loulous, c'était trop bien. Donc, je suis contente de vous avoir fait partager ça. Donc là, je vais le monter et je vais le publier. Et puis voilà. Donc voilà, et bisous, à la prochaine !